commission électorale là, parti Unitéa saute inscrit. Il est inscrit, d'abord, ils sont partis, ils ne sont pas plateforme encore, ils sont partis politiques. Nous tous connaissons l'an dernier congrès que nous avons fait, Mirbalé, la Rosoa, nous avons une mission pour nous transformer plateforme ça en parti politique. C'est exactement ça que nous avons fait dans le ministère de la Justice. Nous avons enregistré 20 octobre et nous avons reconnu en novembre. Donc, aujourd'hui, nous venons en dans CEPA, nous sommes inscrits pour nous aller dans l'élection, la prochaine élection qu'on va faire. Formation CEPA, c'est le résultat d'une longue et dure bataille nous menons pour nous faire un CEP crédible. Nous connaissons l'histoire de CTCEP, CEP, qui était un fausse côté et une grande partie de la classe politique était refusée pour y aller dans l'élection parce qu'il n'y a pas de fait différents CEP qui étaient mis en place, il n'y a pas de fait confiance. Ça, nous avons là, c'est après de longues luttes, de dures batailles que nous avons CEP. Cependant, nous avons de grandes inquiétudes sur l'appareil qui a été mis en place par l'ancien CEP et jusqu'à présent qui était là. Nous voulons parler des bêtes et des becs que tout le monde connaît, dans quelles conditions ils ont été montés. Et cet appareil électoral n'a pas fait confiance. Nous avons et accusé qui montrait que nous déposions toutes pièces sur mandé pour permettre que fusion participer dans les prochaines élections à tous les niveaux. Est-ce que ça veut dire fusion déjà commencé à travailler dans le cadre de candidat? Son travail que nous avons fait longtemps, fusion a finalisé pour le moment. Nous pas de problème avec les machines qui mettent en place dans le cadre de fusion. Bon, nous pas qu'à dire nous pas de problème parce que ce que le général là en pile froid il prend la parole sur plusieurs stations radio pour nous dire que nous avons des problèmes avec le calendrier électoral. Nous avons écrit CEPA et nous avons continué à faire plaidoyer pour comprendre que mettre le pays d'Haïti en mode électoral journée mars 2015 pour faire élection août et deuxième tour en 25 octobre, nous trouvons que c'est long. C'est long parce que la forêt soufflée comme parti politique, comme candidat, candidate. La pral fort dépensé en pile corps et qu'on pas gagné puisque jusqu'à présent parti politique n'a pas reçu l'argent financement de l'État haïtien conformément à la loi en promulguée sur le financement et le fonctionnement des partis politiques. Donc c'est sûr que CEP a compris, il y a fait élection, il y a besoin et mettez en action, montrer que il voulait faire vite. Moi, j'ai noté dit la fusion que faut pas confondre vitesse avec précipitation. Nous-mêmes en dans parti politique fusion, c'est pas un commerce politique. On va faire un commerce politique, nous gagne des candidats qui pas daté d'aujourd'hui. D'ailleurs, bon profil pour gagner pour candidat dans la fusion. Généralement, nous-mêmes noté fait que c'est des membres du parti qui sont candidats en Napatia. C'est pour cette raison, avant pour mon candidat en fusion, il faut que d'abord ou membre pendant un certain nombre de temps, gagne de formation pour prendre avant pour candidat en fusion. Donc ce n'est pas des gens qui viennent comme ça, ou à passer dans la rue, ou venir, ou venir acheter une bannière. Non. On pense que pratique ça, sont pratiques qui sont assez dangereuses, qui font des dégâts en un pays. C'est que toute parti politique qui respecte Tétio oublie faire des efforts en termes de qualité candidat. Parce qu'on a une responsabilité de représenter un candidat. Nous confirmer la participation MNC dans le processus électoral. Parce que nous sommes inscrits déjà depuis novembre 2013. Donc, comme CEP a amendé ça, bien que pour nous, son non-sens, puisque le parti a été inscrit déjà, il n'est pas nécessaire de demander de confirmer la participation. Non? Bon, comme nous demandons de nous faire, nous venons faire parce que nous avons participé dans l'élection à tous les niveaux. MNC déjà sélectionné tout candidat pour participer. Bon, c'est un processus qui est en cours. Effectivement, nous connaissons que le plus souvent, choisir, c'est renoncer.
quelque part. Donc, dans certaines circonscriptions, on a obligé de faire des choix parfois douloureux, mais on a obligé de faire les. Donc, d'ici quelques jours, le processus de sélection de candidats nous a bouclé complètement. Non, nous pas fonctionner comme ça nous-mêmes les MNC, parce que une force MNC, c'est que nous prenons engagement pour nous faire politique autrement dans le pays. Nous t'ai toujours dit li n'a mené bataille là sous tout front, quel que soit côté équipe tête calée a vle nous mener bataille là n'a mené li escamp effort et solidarité pour construire une alternative nationale populaire. Nous vin inscrit pour nous participer dans l'élection. C'est ça qui justifie la présence nous dans l'opération électorale là matin. Ça veut dire nous vin inscrit, c'est que nous allons participer dans la prochaine élection. Très certainement, et si c'est beau ça y a fait, quel que soit sous terre et au mener bataille là, nous même nous là au niveau de quel niveau nous allons participer l'élection ça. Et bon, très sincèrement, au niveau de Escamp, nous avons des partenaires que nous avons négocié, que nous avons discuté avec eux. Mais nous-mêmes, au niveau collectivité territoriale, au niveau législatif et en ce qui a trait au présidentiel, il y a une forte possibilité que nous-mêmes, au niveau de l'ESCAMP, nous fassions de l'alliance. Vous allez seul ou bien en plateforme politique? Et en attendant, jusqu'à présent, nous continuons à rapprocher les négociations avec d'autres partis, d'autres forces régionales pour nous connaître qui mode d'alliance nous fait au niveau de l'ESCAMP. Secrétaire général parti UNIR, Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation, Haïti Uni, pour inscrire parti A en vue de prochaine élection. Son parti qui est présent à tous les niveaux dans l'élection. Donc, vous avez donc confirmé que la réaction est candidat à la présidence. Par contre, c'est une rumeur comme ça, mais parti A n'a pas désigné un candidat à la présidence. Monsieur le secrétaire général, nous avons un congrès pour nous faire pour nous désigner un candidat à la présidence pour la prochaine élection. Clarence comme communicateur, qui s'est poussé à faire expérience politique? Clarence comme citoyen, décidé faire un pas dans la vie citoyenne, un engagement pour les servir pays. Et donc, montrer un parti politique, un groupe de jeunes, professionnels, cadres, étudiants, paysans et femmes que nous fondons, parce que nous sommes concernés par l'avenir du pays d'Haïti. Et nous pensons qu'en tant que citoyens et citoyennes, nous avons capacité, nous avons désir pour nous servir PIA. Donc, nous allons proposer tête nous à nation hein, en tant que groupe, unir dans l'esprit d'intégrité, dans l'esprit de réconciliation. Des possibilités pour partir à faire alliance entre nous? Bon, tout est possible. Nous sommes en politique, alliance ou pas alliance, mais nous avons volonté, comme nous faisons aujourd'hui là, pour nous paraître son label, qui c'est une réflexion qui produit entre des groupes que nous sommes cités là et qui menait création parti politique, ça qui venait unir. Régulièrement comme parti, tout dossier est dans le CEPA, mais d'après décret et d'après règlement CEPA, il m'a dit que toute partie venait pour capable confirmer participation. Nous, le matin, nous faisons processus là pour capable confirmer que ensemble nous allons prendre l'élection. Et c'est pour ça que nous présentons matin. Vous n'avez pas réservé par rapport au calendrier électoral là? Le calendrier électoral a deux aspects à prendre. Pour nous-mêmes, il n'y a pas un problème trop grave parce que normalement, comme on ne participe pas dans le moyen, aller dans l'élection seulement avec députés et sénateurs a permis que le premier tour, le score que nous avons gagné, a encouragé un pile d'autres commanditaires et supporters à venir aider nous pour le deuxième tour. Si c'est dans le premier tour pour nous aller avec toute Marissac, avec Kazek, c'est certain que nous avons un problème de moyens. Mais après ça, pour nous-mêmes, il va déranger nous du tout. Mais normalement, il y a des partis qui vont déranger. Mais quel niveau ensemble nous pourrons participer? Nous allons aller dans Azek, Kazek,
député, sénateur. Et pour présidentiel là, nous avons capté ensemble pour jouer nos meilleures formules pour aller. Nous sommes confirmés inscription parti politique citoyen qui fait partie de une plateforme qui est l'ECOPA. Nous inscrits aujourd'hui? Nous confirmés, nous avons inscrits déjà, nous confirmés effectivement inscription. Nous allons participer à la prochaine élection. À coup sûr. Au contraire, moi accompagné de candidats à la présidence parti. Niveau, nous allons participer. À tous les niveaux, à tous les niveaux. Généralement, calendrier électoral là toujours commencé par inscription parti politique ou confirmation participation à l'élection qui va le faire là. Les affirmations avec le directeur exécutif là, pour nous constater que le travail a avancé, encourager les employés, puis faire reconnaître que le compte à rebours a commencé jusqu'à ce que le processus soit fini. Donc, nous démarrer et nous disponibles pour le travail à la fête et son engagement CEP à prendre, nous avons fait tout ça capable pour nous mener jusqu'au bout. Dans le cadre de la date limite notée pour inscription et avec confirmation parti politique, est-ce que l'a toujours respecté? Date limite lancée 2020, et ça qui me passe là pour m'assurer que tout va bien marcher. Et jusqu'à date, nous satisfaits. Merci.